Carol from RDS. Salut Pascal, merci de prendre le temps. Je voudrais, vous en avez parlé en anglais, mais je voudrais vous entendre là-dessus en français. Je voudrais savoir ce que ça a représenté pour toi d'être nommé sur la troisième équipe d'étoiles de la NBA, surtout après ce que tu as dû endurer, puis après avoir passé par une opération lors de la saison précédente. Merci. Ça fait vraiment plaisir. C'est un grand honneur. Et pour moi, juste de savoir, comme tu l'as dit, le parcours que j'ai eu, la blessure, tous les hauts, les bas, et de pouvoir accomplir quelque chose comme ça, c'est exceptionnel. Je veux juste remercier ma famille, les gens qui sont toujours été dans mon coin pendant tous ces moments-là, les moments difficiles. Savoir que à la fin de la journée, si tu restes la tête haute, tu continues à travailler, tu peux tout accomplir. Donc, c'est un grand honneur pour moi et ça fait très plaisir. Un grand merci, c'est très apprécié. Last hand goes to Etienne. Oui, salut Pascal. Félicitations déjà pour cette sélection. Donc, je vais essayer de remettre un peu en rétrospective sur toute ta carrière. Tu avais eu la meilleure progression il y a quelques années. Aujourd'hui, la troisième équipe. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est finalement, qu'est-ce qui a été le plus gros challenge pour arriver à ce stade-là? Je sais que c'est un honneur pour toi et que ce n'était pas forcément ce que tu recherchais. Mais si les jeunes basketteurs devaient t'écouter aujourd'hui, finalement, quel a été le plus gros challenge que tu as traversé et que tu as traversé pour en arriver là? Je pense que le plus gros challenge, c'est de pouvoir comprendre et essayer de comprendre que les moments difficiles vont arriver. Je pense que c'est la plus dure des choses parce que pour moi, depuis que je suis arrivé en NBA, mon parcours a toujours été, tu vois, aller de haut, tu vois. Donc, pour moi, ouais, d'avoir un moment où vraiment les choses ne passent pas comme tu le veux et pas comme tu les avais vues dans ta tête, c'est très, très, très compliqué. Je pense que ouais, tout jeune joueur doit comprendre que ouais, il y aura des moments difficiles. C'est pas le temps de baisser la tête et tu vois, de se plaindre ou quoi que ce soit. Il faut juste garder le sang-froid, continuer à travailler. Je sais que c'est dur. Et c'est pour ça que pour moi, je pense que c'était la plus dure des choses. Mais ouais, si tu as cette conscience-là en toi et que tu continues à travailler, peu importe ce qui se passe, je pense que ouais, c'est, tu vas toujours t'en sortir. Donc, c'est ce que je crois en ça et j'essaie de le pratiquer tous les jours. Et c'est important, cette stabilité que tu as eue chez les Raptors. C'est vrai qu'il y a d'autres joueurs qui changent souvent d'équipe, mais toi, le fait de rester tout le temps chez les Raptors, est-ce que ça t'a permis d'obtenir cette récompense aujourd'hui? Ouais, bon, à la fin de la journée, c'est pas moi qui décide si je reste ou pas. Non, c'est vrai. Je suis content qu'ils me gardent. Et ouais, ça fait plaisir. Mais ouais, c'est bien sûr, avoir cette continuité-là et voir des gens que tu as rencontré depuis que tu étais en NBA, ça fait aujourd'hui 6 ans. Donc, ouais, ça aide aussi ça, d'avoir ces gens-là dans ton côté. Et ouais, je pense qu'ils seront toujours une partie de mon histoire, en fait. Et c'est une belle reconnaissance. Et finalement, ma dernière question, est-ce que tu as déjà ton prochain objectif en tête, collectif, individuel, peu importe? Ouais, non, je pense que pour moi, collectivement, ouais, comme Massa, il a toujours dit, c'est, pour nous, c'est l'objectif, c'est de gagner. Donc, tout ce qu'on fait, c'est gagner. Et tout ce que je peux faire en tant que joueur pour pouvoir élever mon équipe, c'est ce qui est en tête, tu vois. Donc, c'est bon d'avoir... J'ai mes petits goals, mes petits buts ici, par là. Mais je pense qu'à la fin de la journée, c'est d'avoir un but collectif. Et à la fin, tous les trucs individuels vont venir. Donc, ouais, pour moi, être le meilleur joueur que je peux pour mon équipe, c'est l'essentiel. Et je pense que si je fais ça, et que mon équipe gagne, tous les autres honneurs individuels vont venir. Exactement, exactement. Merci en tout cas, Pascal, et puis ben, profite bien de tes vacances. Merci.